Nous sommes donc dans la maison diocésaine d'accueil catholique à Merville, à une quarantaine de kilomètres de Lille. Nous sommes réunis ici dans le cadre du 17e congrès de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. 17e congrès, cela veut dire donc que la fraternité existe déjà depuis un peu plus de 50 ans. Et je voudrais resituer le contexte de l'apparition de cette fraternité, qui est celui des émigrations orthodoxes sur cette terre française en Europe occidentale. L'idée de la fraternité orthodoxe, c'était précisément de manifester, d'exprimer cette unité des orthodoxes par-delà les divisions ou les fractionnements, disons, juridictionnels. Et donc l'idée qu'elle porte est une idée tout à fait noble et tout à fait traditionnelle et tout à fait orthodoxe, qui est celle qu'il y ait en Europe occidentale une seule église orthodoxe. Cette idée qui a été portée par les pères fondateurs de cette fraternité, comme Olivier Clément, comme Nicolas Loski, qui semblait réalisable à l'époque, dans les années 70. Mais il faut dire que la situation a fortement changé après la chute du communisme au début des années 90. Il y a eu une sorte de repli identitaire, aussi même une multiplication de juridictions, et que donc cet idéal s'éloignait. Voilà, donc je pense que ce congrès-là est important parce que même si nous ne sommes pas aussi nombreux que par le passé, nous continuons à témoigner de cette dynamique, de cet élan, de cet espoir que un jour naîtra ici, sur cette terre occidentale, une Église orthodoxe.